Mon cher Tancred, je ne t'ai pas choisi pour rien. Tu es bien mon champion. Merci, monseigneur. Allons-nous restaurer. Avec plaisir. N'oublie rien. Nous sommes à la fin du 5e siècle de notre ère, quelque part sur le territoire de Bretagne. À cette époque, cette contrée n'est pas encore un royaume unifié, mais constituée de nombreux clans. Depuis le départ des troupes de l'armée romaine, ils se livrent une lutte acharnée pour la conquête du royaume. Les batailles sont nombreuses. Les pertes de tous côtés sont lourdes. C'est dans ce contexte que divers rois s'affrontent, et l'un d'entre eux vient d'installer son campement à la frontière des terres voisines qu'il convoite. Une nouvelle bataille se prépare. Avance, on se fait une ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! Qu'est-ce ? On les a trouvés dans la forêt. Lâchez-nous ! Où ? Quand ? Arrête ! À quelques pas du campement ! À peine. Qu'avaient-ils sur eux ? On les a pas fouillés. Allez-y ! Attendez. Je n'ai rien. Lâchez-nous ! Arrête ! Lâchez-nous ! Celui-ci a quelques oisillons. Des petits braconniers. La terre. De quel clan es-tu, genou ? On a faim, c'est pour ça. De quel clan es-tu ? On a faim ! Serait-il possible que cela puisse être des espions ? Dorian de l'ordre, monseigneur ? Et pourquoi pas la garde d'élite de Léodagan pendant qu'on y est ? Ça pourrait très bien être des espions. Les seigneurs, ces seigneurs, sont si fourbes qu'ils pourraient utiliser des enfants. La menace est peut-être un peu trop grande. Que voulez-vous en faire, monseigneur ? Sire. Sire ? Comment t'appelles-tu ? Peter. Et toi ? Je te répondrai pas. Tu réponds au roi. Je te répondrai pas. Réponds au roi ! Ils n'ont pas l'air menaçants. Ils ont l'air gentils. Que vont-nous faire ? On pourrait les pendre. Exécution ! Allez, faites-moi dégager ça ! Deux cordes ! Deux cordes ! Avance ! Allez, allez, on va ! Allez, vite, vite, vite ! Allez, viens, on y va ! Allez ! Viens ici ! Arrêtez ! Papa, maman ! Recule ! Seigneur ! Toi, tu bouges plus ! Pitié ! Ce sont nos garçons ! Ils m'ont rien fait de mal ! Nous sommes affamés ! Vous n'allez pas les pendre quand même ! N'ayez crainte. Nous n'allons pas les pendre. On va les écarteler ! Vous osez venir négocier avec une arme à la main ! Tu es un roi sans honneur ! Un roi tueur d'enfants ! Fermez les yeux, les enfants ! Nous ne partirons pas sans vous ! Allez, vite, corrigez ! Le roi! Le roi! Le roi! Le roi! Le roi! Chez nous! À la main!
devant tant de violence, de discorde et d'horreur, les dieux m'ont envoyé vers vous. Je vous adresse ce message dans votre cœur. Je suis Viviane, la dame du lac. Les dieux ne supportent plus de vous voir vous battre ainsi. Ils m'ont confié une mission pour vous, les hommes. Un cadeau qui vous aidera à résoudre les conflits. Ce cadeau, le voici. Excalibur. Planté dans la roche par la volonté des dieux, cette épée désignera le futur roi. Que vous soyez homme, femme, manant, serf ou seigneur, toute personne voulant essayer de retirer Excalibur de son socle en aura le droit. Mais seul l'être au cœur pur en sera capable. Et lorsque ce jour viendra, vous reconnaîtrez votre roi. C'est la première fois qu'elle refuse.
Est-ce que tu connais ça, toi? Tout le monde. Tu as de la chance que nous ne puissions plus faire la guerre. Dans ce cas, je te propose un duel. Allons-y. Sire ! J'ai une dette envers vous. Laissez-moi donc la quitter en combattant pour vous. Eh bien, soit, Tancrède. Fais donc. Ce Minus ne mérite pas de mourir par ma lame. Tu te défiles. Vous prétendez
être légitime pour enlever Excalibur. Tu te crois meilleur que nous, Léodagan? Toi, le roi fourbe, et toi, le roi cruel, qui exécute ses hommes et son peuple. Vous ne méritez rien. Vous n'avez pas le cœur pur pour cette épée. Nous allons régler ça entre hommes. En garde! Le roi!
le roi! Drove my little car, everything.